Salut à tous, Ingo. On se retrouve sur la suite de notre série découverte sur Endzone. Donc, on s'apprête à prendre dans les dents une tempête de sable. Ah oui, en plus, ça. Ah oui, ça move les radiations. Alors, attendez. Oh, waouh! Ah oui, d'accord. Alors là. Attendez, mais elle est même pas là, la tempête? Là on est carrément en médium dans cette zone là et dans la ville. Oh waouh, putain, on n'a pas de protection. Waouh, putain, on va prendre la tempête et j'ai l'impression que ça détruit carrément l'environnement. Et alors ça. Alors attendez, si par exemple je prends la cabane de chasse, il y a encore des animaux, mais pas beaucoup. Je laisse en pause parce que là je pense que ça va mal se passer. Vu que j'ai pas assez de protection. Et vu le taux de radiation. Je voulais juste voir un truc. Ouais, par exemple là-dessus. Ouais, s'il reste des herbes médicinales, mais. Je vais relancer doucement. Ça a pas l'air de péter les herbes médicinales. Donc tant mieux. Par contre ça on va arrêter du coup. On va repartir sur du plastique et des vêtements. Parce que là il faut qu'on arrive à produire des de la protection là. On va faire des deux je pense. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on a assez de gars? Est-ce qu'on peut protéger nos gars? Alors j'espère que ce soit pas suffisant. Je vais faire un petit truc aussi. Oh là, ça y est, il y a la tempête. On va regarder après ça parce que j'ai l'impression que quand on se prend des tempêtes comme ça, je pense que j'ai pas fait vraiment attention dans un épisode précédent, mais j'ai l'impression que ça pète les ressources de la map en partie et qu'elles reviennent par la suite. Je vais vérifier. Je vais vérifier, notamment, ouais là-dessus, ouais c'est bien ce que je pensais. On a plus, si on reste là. Ah ben non, voilà, elles disparaissent au fur et à mesure en fait, avec les tempêtes de sable. Ah putain. On en a stocké un petit peu, donc on va avoir des médocs si besoin. On voit que ça crépite hein, quand. Là on est carrément dans le jaune. On va essayer de faire quelque chose. C'est décontaminer déjà cette zone là tranquillement. Parce que si je mets tout c'est mort. On a, déjà on voit le mal qu'ils ont ici à décontaminer. C'est même pas la peine quoi. Faudra le faire hein, pour les champs quand même. Au moins cela. Ça c'est vraiment la bouffe. Quoique non, la bouffe est là aussi. On va essayer de faire ça, je pense que c'est les settlers qui s'en occupent, j'espère qu'ils seraient équipés parce que. Pff, à mon avis on risque d'avoir des pertes sèches là. Et on a les problèmes de bouffe aussi. Bon, on va avoir des morts. Ça va être trop dur de tanker la bouffe là. Heureusement que sur l'eau on est ok. Mais tanker tout ça, ça va être trop chaud. Comment je pourrais essayer d'accroître. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tiens. Protectif. Les vêtements de protection, des restrictions. On va laisser comme ça. Hein. Est-ce qu'on peut quand même continuer à stocker là ou pas? Parce que. Visiteur, capacité, stockage. Ouais, on peut encore stocker ici. Est-ce que j'avais pas décoché des trucs par contre? Non, il y a tout, hein. On a tout. Donc ça devrait le faire. Est-ce qu'on peut rajouter des gars pour décontaminer? Je préférerais avoir des vêtements quand même. Parce que je sais pas s'ils sont tous équipés en réalité.
Allez, on va accélérer un petit peu, on va voir. Ça commence à chuter, hein. 12,67. Je sais pas comment ça se passe dans cette raffinerie là, vraiment. Pour moi, c'est pas clair, quoi. Pour moi, c'est pas clair. Ils produisent un peu de tout en même temps, en fait. Ok. Bon. Pour l'instant, c'est pas l'hécatombe. Faut juste qu'on arrive vraiment. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est pas normal. On a 4 tailleurs. On a toutes les ressources qu'il faut et là il travaille plus. J'aimerais comprendre ça quand même. Missing Workforce. Je suis pas d'accord. Ils sont attribués. On a du tissu, on a du plastique, on a du charbon. Alors pourquoi ils m'embêtent là? Ouais, notre gars est mort. Notre gars est mort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là, à ce niveau-là, là ? C'est gênant ça. Ça va nous foutre dedans. J'espère que c'est pas un bug. J'espère vraiment que c'est pas un bug. On a plus de bouffe. On a plus de bouffe. Ok, on va retirer des fermiers. On va retirer des gars de la raffinerie. On va essayer de mettre des gars au boulot là pour décontaminer. Je pense qu'on va voir, hein, mais à mon avis, s'ils ont pas les protections, je donne pas cher de leur peau. Malheureusement. Voyons voir. Accélérons un petit peu, on va voir. On va voir ce que ça commence à répondre. Je regarde les chiffres surtout là. Tac, tac. Oh putain. Ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Et là on produit pas. Ça m'énerve. Ça m'agace. Qu'est-ce qui... Ok, c'est reparti là, d'accord, donc pas de problème. Si ça continue, je vais faire un troisième troisième zone de production là, de couture, hein, parce que... Putain, il y en a deux, on a 70 gars. Waouh, faut pas déconner quand même. On est full ressources, enfin full façon de parler, mais on est quand même pas trop mal. Ouais, on perd des gars. Ouais, ouais. Les mecs qui vont décontaminer se font des pop, quoi. Est-ce qu'on devrait pas passer ça en build and repair? Je vais mettre juste repair peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ouais, ça on s'en fout. Des mecs malades, mais on doit avoir des médocs. On devrait pouvoir les faire. Normalement, il y en avait assez là, donc ouais, ils sont en train de les faire. Bon, on va commencer à avoir des pertes sèches. Mais bon, au moins ça décontamine là la zone. Ils sont sur le champ, on va pouvoir relancer un peu la bouffe. Par contre là, le lac est... Le lac, c'est même pas la peine, quoi. Là, ils vont bouffer du poisson... Du poisson. Du poisson au césium 137, hein, c'est clair. Et pas que. Et là, c'est de nouveau coupé. C'est... Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va pas avec ce bâtiment, j'ai l'impression. Il se coupe, il se relance. Toujours tout ce qu'il faut, hein, pour craft. Donc ça m'embête, quoi. Partez là-dessus alors, hein, si ça vous va pas. J'aimerais comprendre là quand même, hein.
a des gars qui commencent à crever un peu, un peu dans toutes les professions. Ah, ils sont morts là, ils sont morts dans le champ. Putain, en décontaminant quoi. Pourtant, ils avaient des protections là, c'est pas possible. Waouh, je pense que ça sent la fin là. Ce qui m'énerve, c'est qu'on a ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'ils produisent pas nos gars là, c'est impressionnant quoi. Allez, arrêtez là. Technicien, on arrête. Le truc, c'est que personne va décontaminer là. Ok, je vais retirer les gars ici. Je vais faire quelque chose que je devrais pas trop faire, mais on va tenter. Je suis obligé de faire ça. On va mettre des settlers là, tant pis. J'espère qu'ils ont des protections, on va perdre des gars, mais il faut qu'on arrive à décontaminer nos... au moins nos champs à cette zone là au maximum. De toute façon là, il faudrait... pour décontaminer la base, c'est mort. Les radiations sont trop hautes là, c'est impressionnant. On va se faire dézinguer par les radiations et cette tempête... cette tempête infâme là de sable qui nous a... ouais, ça nous a mis dedans avec la sécheresse en plus. Radiation médium, sécheresse, terminé quoi. Ça monte hein, mais c'est long, c'est compliqué. En faites moi des radiations de suite là, s'il vous plaît. On va essayer de tenir hein, putain, mais c'est... Je vous avoue que j'ai un peu la goutte. Parce que là... Ok, les radiations baissent un peu. Je suis à deux doigts de faire un troisième Taylor là, parce que ça m'agace. Ça monte hein, mais c'est... Si on perd un peu de gars, ouais, un peu de gars, mais quand même pas mal hein. On a quand même perdu pas mal de gars. Ok, je vais remettre un professeur et un médecin, c'est quand même essentiel. Surtout le médecin. On va y aller mollo sur la... sur la désinfection, on va dire. Parce que là, on perd quand même du monde et bon, il y aura encore à désinfecter cette partie-là, surtout, qui est en jaune. Faire gaffe. On va essayer de pas faire crever la colonie, quoi, parce que là, on n'en est pas loin. Là, il suffit d'une petite connerie ou... On va faire gaffe. Ce qui m'inquiète, c'est pour la bouffe, là, quand même. Ça coûte à décontaminer, ça coûte cher. Ok, on va retirer le gars terreur là. Au niveau de la flotte, ça a l'air de tenir. Faut des gars pour décontaminer, malheureusement. On va retirer l'herbaliste. Ouais, c'est bon. On a compris que vous aimez pas trop, mais les gars, je fais ce que je peux. Ouais, ça continue à chuter. Aïe aïe aïe. Pourtant, il y a de la combinaison là. J'ai l'impression qu'ils arrivent pas à me craft, c'est foutu. Putain, en production, ça arrive, mais s'il vous plaît. Je les retire, je les retire. On va attendre que ce soit crafté parce que ça. Ça va mal se terminer. Après, est-ce que même ces vêtements de. Les hautes protections sont suffisantes. Franchement, j'ai un doute. On a besoin de tissu, on va y aller. Hein. Quand même une belle hécatombe là. Il arrête pas de pleuvoir, j'ai l'impression que c'est des puits radioactifs. Heureusement qu'il y a ça. Qui nous remplit nos stockages d'eau. Ça nous aide vraiment là, quand même. En termes de médecine, c'est pas fou, je sais.
Je vais remettre un herbaliste pour récolter des herbes médicinales vu que ça a repoussé ici. Ça va assez vite au final, hein, mais. Qu'est-ce qu'ils me font là? Qu'est-ce qu'ils me font? C'est nouveau bloqué en production. C'est vraiment étrange. Les mecs crèvent un par un alors qu'ils ont les protections. Ou alors je sais pas, mais quelque chose là. J'espère qu'ils partent pas sans les protections quand même nettoyées, parce qu'il y en avait en stock. Si c'est le cas, c'est pas bon, ou alors il faut le gérer. Microgestion, mais j'aimerais bien savoir comment. Vous savez quoi, je vais faire un test, tiens, parce que j'aime pas trop ça. Je vais retirer un... Alors, notre settler. Waouh, je peux pas le... On peut pas le voir comme, comme eux, quoi. Alors, attendez, ça veut dire que... Waouh, mais c'est nul, ça, par contre. Ouais, c'est pas terrible ce qu'on gagne. Les récompenses sont pas fabuleuses, quoi. Putain, il est mort. Waouh, mais on peut pas les voir. Alors ça, par contre, je suis pas d'accord avec le game, là. J'ai pas l'impression que ce soit lui. Si, on peut le voir. Alors, putain, hey, il y va avec une écharpe. Alors que... Non, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ouais, ça on a compris, mais putain, je peux pas le... C'est pas normal là, ça, que... Je puisse pas choisir son type de vêtement, ça aurait été bien. Je vais relancer, hein, mais il va nettoyer les radiations avec une écharpe, quoi, le mec. C'est terrible, quoi. Surtout qu'on avait des hautes protections, donc... Je sais pas comment c'est géré dans le jeu, là. Par contre, ça me déplaît un petit peu. Bon, je leur en veux pas, hein, mais... Ça me déplaît un petit peu, quand même, là. Parce que... on devrait pouvoir le gérer. C'est pas le cas. C'est toujours le même qui est attribué. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas là. Je comprends pas le jeu là en fait. Je retire un gars ici ou ici ou ici. C'est toujours le même qui se retrouve en homme à tout faire, quoi. Donc c'est un peu bof, quoi. Puis contaminé. Ah, c'est impeccable. C'est exactement ce qu'il nous fallait, hein. Des puits contaminés, quoi. Ouais, j'ai nettoyé tous les champs et c'est fini. Ouais, c'est mort. On en prend, le jeu nous en met plein la gueule, là. C'est juste complètement mort. Ici, on n'a pas de filtre en plus. Ils vont boire de l'eau, elle va être contaminée. On arrête. Je vais l'arrêter, la production ici. Je viens de décontaminer mes champs, quoi, putain, et il se met à pleuvoir des puits radioactives. Tempête radioactive, puits radioactives, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Là, franchement, je fais le maximum pour tenir, mais le jeu veut pas que je survive. Franchement, là, c'est... Sécheresse, de nouveau ?
Yes, peut-être. Les radiations, elles dégagent quand là? Oh putain, et ça passe en jaune. Regardez-moi ça. Regardez les puits radioactifs que je me prends dans les dents, quoi. Oh, waouh. Je comprends vraiment pas là le problème de ce Taylor là qui est tout le temps avec cette icône là de manque de feu. J'ai du mal là. C'est que les mecs sont pas ici, hein, je suis d'accord, mais. Pourquoi quoi? Pourquoi messieurs? Bon, faut prendre le mal en patience là. J'ai l'impression qu'on arrive un peu à tenir avec grâce au masque. Là je peux rien faire, hein. De plus à ce niveau là on subit. Ouais non mais je sais que ça suffit pas les écharpes. Ils se foutent de moi en plus. Aïe aïe aïe. C'est dommage hein, parce qu'on arrive bien à monter là. Attendez, on va peut-être voir une lueur d'espoir, mon dieu. Regardez ça. 29-1. On a pris tellement cher, mais. Ouais, ça va tenir. Putain, est-ce que ça va tenir? Je souffle un peu. J'ai l'impression qu'on va voir peut-être une lueur d'espoir. Putain, les radiations, elles sont parties aussi vite qu'elles sont venues. Ça fait plaisir. Alors, je vais mettre en pause un peu. Là, j'ai boosté, hein, de toute façon, je pouvais que subir. On va essayer de faire en sorte de redécontaminer nos champs. Au moins les champs. Allez, go. Ouais, mais on est trop juste sur la bouffe. Je peux pas retirer de gars là. Il va falloir. Faire des petits là. Il va falloir booster, faire un baby boom. Trouver quelque chose là pour pour que ça se passe bien. De toute façon, si j'ai pas de settler ici, c'est mort. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ouais, ça c'est de la merde. 1000, ils font stocker 1000 pour avoir de la merde. Hein. Enfin, si, quand même des outils en métaux, je crois. Avec du métal, fait en métal. Donc, on verra. Vous savez quoi? J'ai comme l'impression que. Celui-là, il suffit, quoi. C'est juste qu'on peut avoir plus de gars en ayant. Ouais, c'est qu'avec 1 on peut avoir que 5 gars et là 10. Donc on va quand même, on est obligé de les garder quand même là. Bon, on a plus de morts, la contamination dégage, ça fait. Ouah, ça fait plaisir. Waouh! Honnêtement, je commençais à pas être bien. Ah non, mais on va prendre quoi encore là? Arrêtez! On va prendre une sécheresse ou quoi? C'est vrai que pour les sols. Ouais, on va prendre une sécheresse, c'est incroyable. Putain, ce que le jeu nous met dans les dents là, c'est un truc de ouf. On peut alors. Au niveau de l'eau, on peut hydrater, faire de l'irrigation. Ça coûte une blinde hein, à fabriquer le truc. Surtout en plastique.
Et en plus de ça, il faut prévoir la zone. Waouh, puis la zone elle est toute petite quoi. Oh waouh, ouais, la zone est minuscule quoi. Pour le prix que ça coûte le délire, et puis ça prend pas. C'est pas énorme, hein. Ouais, on va pas faire ça. On va faire un peu de gestion là. On va rajouter du monde dans les champs. On en a besoin. Qu'est-ce qui se passe? Encore une maladie? Menace biologique. J'ai un gars là qui ramasse de l'herbe. J'ai un médecin. Donc vous allez pas me saouler avec ça là quand même. Problème c'est la bouffe là. Non, y a pas de nouvelle radiation là, ils ont dégagé. Putain, c'est terrible hein. Il va falloir faire un stock énorme là, à ce niveau là. Pourquoi il travaille plus là? Je vais remettre un technicien. Pourquoi il travaille plus là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Bon, on prend la sécheresse hein. Ah, et nouveau une tempête de sable. C'est pas vrai. Waouh. Bon, le jeu veut pas là. Le jeu veut pas que je continue à jouer apparemment. Bon, il reste un peu de radiation ici, mais fou. C'est tellement faible qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est parce que les gars sont malades? On n'a pas trop d'infos là, ici, mais... Fou. La chasse, ouais, la chasse c'est vraiment pourri, je trouve. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment bon. Hein. Je sais pas combien ça rapporte. Je l'avais fait où déjà? Ici. Ici quand même, hein, au final. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'animaux dans la zone en fait. J'ai l'impression. Donc, ok, faut peut-être booster un peu plus ça d'ailleurs. Je vais retirer les fermiers là, je vais les mettre en à la pêche. Mais on perd des gars, hein. Si les gars font crever là. Ouais, c'est... Ça a pas de sens. Mettre un hunter, on va voir si ça permet de rebooster un peu. On l'a consommé les tanks là, les... enfin les réservoirs, à une vitesse. On est en train de perdre tous nos gars là. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? On a des médocs pourtant, on a tout ce qu'il faut. Sauf que là on n'a plus personne en production. On cut ça. On va en laisser que deux. On doit en laisser que deux. Ouais, ok. Putain, on a survécu à une apocalypse de radiation et on va se faire buter par je ne sais quoi là. Waouh. Pas déconner quand même. Bon, je suis en vitesse max aussi, attention, mais. Au niveau de l'eau, ils s'en sortent pas mal. Hein. J'ai l'impression que même en ayant coupé celui-là, ils bossent de ouf ici. Et ça suffit parce que c'est peut-être beaucoup plus près. Je sais pas, j'ai un doute là-dessus. On va rajouter un pêcheur. Va falloir que nos petits gars fassent des petits là. Mais c'est chaud. Ok, je vais mettre en pause. On va s'arrêter là pour cet épisode. Assez infernal, assez dur. Enfin pour moi, assez dur à supporter là quand même. J'ai fait au mieux pour tenir. On a perdu je sais pas combien population, mais c'est assez hallucinant. Ouais, là il faudrait presque un gars pour retirer les cadavres. On va quand même faire un épisode prochain, bien sûr. Voir ce que ça dit, si j'arrive à remonter la pente et à avoir de la population qui revient. Mais là, on en a pris tellement plein la gueule. Radiation, tempête de sable, sécheresse, puits radioactives qui nous ont redézingué alors que j'avais nettoyé la moitié de la ville. Puits re-tempête de sable.
Bon, un moment... Et puis re-sécheresse, hein. À un moment donné ça va quand même. C'était un petit peu violent. On a tenu, mais waouh, c'est. Voilà, bon, c'était intéressant quand même. C'est un peu violent, je dirais, mais bon. On va faire comme ça, on va se faire encore un épisode. On va essayer de tenir. Si prochain épisode, je vois que c'est la merde et puis de toute façon que les mecs meurent. Bon, ça sera la fin du let's play découverte sur Endzone. On en aura vu pas mal quand même, je suis content. On aura quasiment tout vu d'ailleurs. Si, avant de se quitter, si je passe en revue, à part l'irrigation, ça on aura vu. On n'aura pas vu, ouais, la station météo. Ouais, alors attendez. Elle sert à quoi celle-là d'ailleurs? Ouais. Oh, mais attendez. Attendez, si je comprends bien, il faut l'avoir. Ouais, faudra peut-être la faire. Parce que, alors, je sais pas si tu comprends tout ce qu'ils disent là-dessus, mais. On va peut-être essayer de la faire l'épisode prochain. Première chose qu'on fera, c'est ça. Tout simplement. Voilà, bon, allez, je me tais, j'en dis pas plus. On se quitte ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous!